Ok, yeah. M-A-N-T-I-S, yeah. Pour la mixtape, un petit 16 pour la route, pour le Z du T, pour la Tidiban l'isole. Les publicités nous plébiscitent par eux des putes qui précipitent tant d'esprit dans le précipice consumériste qui consume le peu d'humanité qui reste mais qui résiste. Quand les politiques nous jouent les équilibristes, nous parlent d'égalité mais dégradent l'idée d'une vraie parité. Donc l'espoir d'évolution est éradiqué, la masse tétanisée par des tonnes d'abrutissement. La télé est un théâtre de vanité, c'en est hallucinant car on nous pousse à l'idolâtrie de trop d'actrices au crari, crasseuses, volages, traîtres et sans avis. Et ces soi-disant exemples nous montrent qu'il vaut mieux se concentrer sur son propre nombril. Car ils ont compris que le désintéressement du peuple leur permet d'accomplir à leur gré leur saloperie. Et quand les caméras filment tous ces salauds à court, et quand tu clames ta vie pour réclamer secours, t'as du pain et des jeux dans ta vie pour calmer la foule ou pour laver la front de certaines révélations. Et c'est risqué car je sens qu'on nous fisque. Le cercle fermé de la haute mais qu'un cercle vicieux. Une déclaration officielle cache toujours un décisionnel officieux. Tu voulais pousser ta gueulante mais t'es pas sur la liste. Donc en réponse, j'adhère à certaines idées qu'on me prête. S'ils sont coupés du monde au coton, leur couper la tête. Et se préoccuper du fait que c'est le cas depuis belle lurette. Et si le peuple est mode bas, j'ai ramené mes lunettes. Et dans cette vie éphémère, dis-moi qu'est-ce que t'espères. À part quelques esters, la ville est un bestia. La gentillesse au vestiaire, donc les traîtres on laisse faire. Aujourd'hui, on te prouve n'importe quoi par les pourcentages. Pendant que le curé s'embarre de Sky, kiffe le 12 ans d'âge. Et tous s'engagent à changer car tous s'enragent et tout ça jusqu'à ce qu'on les foute en cage. Et quand on avoue avoir envie de tout foutre en l'air, ils s'attendent à nous voir débarquer le boulot en l'air. J'dis pas que c'est palpitant, leur crédibilité a foutu le camp. La politique a la natation comme instrument, car tout ce qu'ils font, ils brassent du vent, ils brassent du vent. Et si quand je les vois, mon regard ressemble froid, c'est que j'espère la chaleur d'un feu de leur langue de bois. Mais bon, fais comme bon te semblera, qui que tu sois, on finit tous bouffés par les cancres là. Une société qui bat tourner comme sa jambe de bois. Dans mon 5, 7 et ça, mec, jusqu'en Bretagne. Et arrêtez de dire que la jeunesse manque de poids. Mec, je m'accroche à mon rap comme le train s'accroche au rail. Rien que le fait de consommer fait de chacun de nous d'autres cobayes. Les exosquelettes pour que les décos en mode cowboy nous jouent les Goldorak. L'avenir est bien trop opaque, ce qui n'empêche pas le développement des clichés comme Kodak. Si la société a la tête sous l'eau, c'est qu'on nage dans une totale aberration. Politique corrompue, je ressens mon vote comme de l'autoflagellation. Tenter d'être un homme droit, c'est de l'abnégation. Comme pour être vendeur, la luxure a le luxe pour abréviation. Tout est en adéquation pour l'élaboration d'une religion de masse en contemplation. L'idolâtrie d'un écran, créateur de crainte qui sous crédit de la crise encrase nos esprits, qui prient en sacrifice crie. Car ceux qu'on croit être écrasés par leur créature, leur carré qui creuse leur crédibilité. Le double langage en langue de bois officieux, l'immobilité, leur stature, ce qui horrifie ceux qui comme moi n'aiment pas que l'on joue avec leur orifice. Beaucoup de politiques ont leur place au bêtisier. Maintenant ça parle de plan d'austérité quand des secrétaires d'État se déplacent en jet privé. Et ça rentre dans son budget qu'il dit pour s'expliquer. Quand d'autres savent s'exiler dépité pour pas être pisté, je laisse filer mec pour quelques billets. Certains préfèrent tête dealer. Et vas-y tout me saoule. Les gens se servent de leur tête que pour mettre des coups de boule. Mais tous veulent beaucoup de sous, donc les coups de masse se transforment en coups de pute. Et ça sert à rien de le dire car on n'écoute plus. Les médias ne passent des messages que pour des coups de pub. En plus, on se tire dans les pattes. À force, on sera bientôt une société de cul de jatte. Et si tu jactes, tu jartes. Mais souviens-toi, la route peut être longue et finir sur un cul-de-sac.